Bonsoir à tout le monde, je le vole 5 étoiles. Djibril, Agui, à la barre. Djibril, moi là, comme tu as provoqué, hein, tu dis que tu es lion, alors moi je suis l'éléphant. Comme tu dis que tu es lion, alors moi je suis éléphant. Moi je t'ai dit que toi, quand on dit un escroc, Birin, la Guinée, Birin Colo. Facebook. Moi, je n'ai pas besoin, mais comme tu veux que je n'ai un dossier, Ngande Safari. Comme tu veux plus, là, partagez au maximum. Le gars, je vais lui montrer que c'est un petit, c'est un plaisantin. Partagez au maximum. Djibril, à la barre, c'est le général 5 étoiles. Comme tu dis, tu es lion, moi, je suis l'éléphant de la forêt. Voilà. Moi, tes vidéos dont j'ai mentionné là, je ne vais pas couper ta vidéo. Il y aura vidéo coupée. J'ai dit aux gens d'aller écouter. Lorsque tu étais chez votre soi-disant première dame, en sortant là, quand tu as donné le téléphone à la dame, tu te rappelles juste à partir de la partie là. Tu dis, ah, madame, une réglée. M'a dit, mais non, ma mère, dis, mais n'attendez. Voilà, c'est à partir de là que tu les as vendus. C'est pour te dire que, Nadime, Omunoma Wende, dis, mais, c'est l'unoma Nagarabade. Faut vous prenez de l'argent, vous donnez aux enfants. Moi, je ne vais pas faire ce montage. J'ai dit aux gens d'aller écouter la vidéo. Moi, je ne cherche pas des vues. Je vais plutôt augmenter tes vues. Je vais dire aux gens d'aller écouter ta vidéo que tu as fait chez Almatou Dale. Va écouter. J'ai dit aux gens d'aller écouter la vidéo. C'est toi qui dis, ah, on réglé. On a dit, mais réglé. C'est pas moi. J'ai dit ça. Et la vidéo, ça est là. Il ne faut pas supprimer. Voilà. En plus de cela, ton dossier, n'oublie pas. L'affaire de Naby Keïta, c'est pas moi, partagez au maximum. Le type là, je vais finir avec lui. Le dossier de Naby Keïta, le meilleur joueur guinéen actuel, le milieu de Liverpool, il t'en a dossier, il t'en a voulu rababé. Tu as menti sur la tante de Naby Keïta, Deko. La Guinée Kabiri n'a fait ton abbé. Il voulait sa Guinée de Rouma. Toi, tu as dit que la dame là, elle est sorcière. Pendant ce temps, Naby s'est blessé. Même des joueurs comme Ronaldo, même des joueurs comme Messi se blessent. Des footballeurs se blessent. On n'a jamais entendu que l'attente de Messi, l'attente de Ronaldo, hein? L'attente de ces grands joueurs du monde, les Drogba, tous ces gens-là. On n'a jamais entendu ça. Mais un escroc patenté comme toi, tu as fait des vidéos ici. Mentir sur l'attente de l'autre qui a élevé Naby Keïta. Si elle voulait manger, même l'enfant même. Elle l'a élevé. Mais il t'a voulu faire international qui est au service de Almatou Dale aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu vas dire aux gens? Les Guinéens vont te croire. N'a fait brina banébi. Il voulait sa Guinée de Rouma. Que cette dernière a travaillé Naby Keïta. Tous les Guinéens ont vu ici. Il t'a fallu. On va continuer ça. Il t'a voulu faire international. Il s'y a faute escroquer. France, tu fuis, tu viens ici maintenant. Que moi j'ai aidé le blanc. Pourquoi tu ne te retournes pas en France? Pourquoi il moussiga ma congé? Pourquoi? On t'a rapatrié, non? Il voulait, il a escroquerie. On t'a pris, on t'a renvoyé ici. Qu'est-ce que toi tu vas nous dire? N'a dossier nyambri en gourou. Hey, j'ai dit tellement qu'il est escroc, le petit là. Même Allah. Amougarouma Alayara. Amougarouma Alayara. Il y a un moment donné, la mosquée Faisal était dans un état délabreux. Le gars là, escroc international comme son Arab Walinara. Il allait là-bas une fois, aller prendre des photos de Faisal. A Kobri Makula, Mege, Mabirin, Ofa Kobrira, on a Faisal Yala, escroc international. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, Kadiatou de Fria, Kadiatou de Fria, Natemé de Minine, Kadiatou de Fria, Kadiatou de Fria, elle est sortie, toi, Djibril, elle a fait vidéo contre toi, Kadiatou de Fria. Elle a dit qu'elle a donné 300 euros, Baba, 300 dollars. Mais tu as donné l'argent à qui? Ce n'était pas elle seule, parce qu'elle, au moins, elle s'est affichée. Mais Dounia, pour l'affaire de Faisal, l'argent là, tu as fait quoi avec? Escroc international. Escroc international. Donc le dossier là, il y a un dossier beau. Il y a un dossier beau. Escroc international. L'affaire là, qu'est-ce que tu as fait de ce dossier, escroc international? Tu dis que tu es lion, moi je te montre que je suis éléphant. Et le dossier Bonira, on gagne seulement, épisode par épisode. Oui, l'affaire de Faisal.
quand tu es sorti, tu as menti devant tous les Guinéens, toi Djibril. Imam ngamini irana yabi mube. Ikobri soro imam naganyira. Ikobri soro ligue islamique nanyira. Il n'a fait fala mutambe. Il faut sortir encore, tu vas me répondre. Tu dis que l'argent là, l'argent que tu as volé là, l'argent que tu as collecté, il kerena kolon nana inu ala nantagi. Parce que itana mini il vidéo raba. Na fe na inu ala nantagi. Même moi là, n'tanyete kolon. Quand j'avais fait fundraising pour Bracassé, demander Bracassé, au Migikirin, je défie tout le monde, tous mes abonnés. Si quelqu'un m'envoyait l'argent une fois à moi, Damaro, si quelqu'un m'envoyait une fois un message à reçu grâce à Facebook, moi, je me connais, demander à Bracassé, j'ai dit à tout le monde, j'ai mis le numéro de Bracassé. Quand on m'a fait rabaffer, n'y était colon. J'ai dit à tout le monde, tous ceux qui veulent aider, aider Bracassé, appelez Bracassé, vous allez l'aider. Mais j'ai dit à tout le monde, je ne vais pas prendre 5 francs pour envoyer à Bracassé. J'ai mis le numéro de Bracassé, j'ai dit à tout le monde, envoyez l'argent à Bracassé. C'est ce que j'ai fait moi. D'abord, j'ai fait ma part de contribution. Ensuite, j'ai dit à tout le monde, tous mes abonnés, tout le monde me connaît. Il y a des gens qui m'ont appelé, j'ai dit non, dans l'affaire d'argent, pour aider Bracassé. Alors toi seul, tu sais combien tu as collecté pour la mosquée Faisal. Ikerena kolo nana inu ala natagi itan wule fale toi escroc international. Voilà, donc je te pose la question, sors maintenant, tu vas nous dire tu as reçu combien inu ala tagi, tu as donné l'argent à qui? Parce que Kadiatou de Fria, elle est sortie, elle a dit que combien, plus de 300 dollars à Naganso Riyira. Hey petit, toi tu veux te comparer à moi? Yafla, toi tu es un lion, moi je suis un éléphant. Donc je t'ai dit, ton escroquerie là, tu ne peux pas le faire devant nous. Tu es un anarqueur. Fin. Fatoumata, Adja Mariama, Doubouya Djabi, Adja Mariama, cette dame, Naguine dit, cette dame, partagez au maximum. Comme il dit qu'il veut, il veut attaquer nous les blogueurs là, personne ne nous attaque. Parce que nous savions pourquoi on mène le combat là. Partagez au maximum, le gars là, il va se calmer un peu. Parce que quand je dis c'est un escroc, les gens vont le connaître de plus. Nege ma rafé colo, na Djibril, celui qui est au service de l'UFDG. Parce qu'il m'a rafé colo. Donc on a d'intégrer à Baobé. Voilà. Adja Mariama, na Guinédi, na Gano, mege ma lima. Elle faisait peut-être du bon boulot. Mais na Djibril, comme il était sur Facebook, il n'a même voulu, attendant nous n'amène. Les gens l'appelaient un peu partout du monde. Et comme Rassamba. A oulé flamégué, 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 500 dollars. A kobriba mégué yira. Au nom de la dame là, Adja Mariama, Doubaya Djabi. Au nom de Adja Mariama, Doubaya Djabi. Il a bouffé beaucoup d'argent. Au nom de la dame là, a kobriba mégué yira. Matin, midi, soir, an a kobriba fait Guinée-Dimé yira. Les jeunes filles guinéennes à travers l'étranger. Et kobriba samba fait dit escroc internationalement. Il ne prenait que de l'eau simple. Aïe. De l'eau simple, Anara Samba, Afala, Adjabara, que Adja a fini de travailler. Adjabara Waliraba. Pourtant, Adja ne sait même pas qui a envoyé l'argent, qui n'a pas envoyé l'argent. Les gens l'envoyaient de l'argent. Le escroc international, quand Adja a pris cela, quand elle a pris conscience, Adja l'a foutu à la porte. Donc, Ara rendement mou nana son nom. Donc, UFDG, Erana Woule, il a continué ma UFDG na Yiremen. Tu es à leur service, tu es cobaye. C'est pourquoi je te considère comme un cobaye. Irana Woule, Allah mané na Niramen. Irana Woule, Inagan Sare, sur la tente de Nabi Deko. Il voulait Fala, Nabi Ramu Berefeiki. Ce n'est pas Nabi qui joue aujourd'hui. Il voulait Sana Guinédi Rumabe. Pire Yarore. Il voulait Fala, Yafla Guinédi, que c'est elle, que c'est une sorcière. Il n'a voulu Fala, Nafaso Idekui. Il m'a fait mini, il y a fait. Tu as demandé de l'excuse devant tout le monde ici. Toi, tu vas nous dire, après avoir escroqué les gens pour la mosquée Faisal, après avoir escroqué des jeunes filles pour l'affaire de Adja Mariama, après avoir parlé de l'affaire de l'autre là, il t'a nommé Monsieur Falade Moutambe. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire, Djibril? Seulement, il faut être mouton de l'UFDG. Ah ouais, il y a un autre encore, Fama Kanté. Fama, toi aussi, ton dossier, ça vient. J'ai dit, vous les blogueurs fanfarons de l'UFDG là, Awa, Fama, demain, toi, tu viens à la barre. Voilà, j'ai le dossier de Fama. Demain, je vais régler le dossier de Fama.
Fama Kanté, comme lui n'a pas de conviction, lui quand il a insulté l'UFDG tout récemment, ils ont insulté son papa, sa maman. Toi, tu n'as pas de dignité. Ils ont insulté ton père, ta mère, tout simplement parce que tu as dit que c'est lui ne devait pas aller aux élections. Toi, tu viens te flanquer. Maintenant, toi, tu vas donner quelle morale? Toi, tu peux conseiller qui? Toi, Fama. Qu'est-ce que Fama, toi, tu peux nous dire? Mais demain, toi, ton dossier, toi aussi, tu es à la barre demain. Voilà. Tes conneries, là, que tu fais en Europe, là, demain, ton dossier à la barre demain. Je vais vous montrer que tous ces blogueurs qui sont avec eux, c'est des malhonnêtes. J'ai dit. Mais comme l'UFDG, c'est un parti malhonnête, ils se servent d'eux pour bouffer leur argent. Moi, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit. Alpha Isiaga, à New York, lorsqu'ils m'ont contacté, lorsque j'ai commencé à faire les vidéos pour taper sur eux, ils m'ont contacté. Ils ont dit, Damaro, qu'au lieu de défendre le vieux, moi, j'ai dit que oui, le côté de la vérité, c'est avec le vieux. C'est le vieux qui dit la vérité. Je préfère défendre le vieux que de défendre les menteurs. Oui, Alpha Isiaga, il m'a bloqué, non? Est-ce que cela m'a empêché de mener le combat? Voilà. Donc, cela ne m'a pas empêché. Donc, moi, je ne vais pas défendre les traites, je vous dis, l'UFDG. Je ne vais pas défendre les traites comme vous. Voilà, je le dis, hein. Je le dis, je ne vais pas défendre des traites. Et ce sont des traites blogueurs. Je dis bien, eux tous, ils sont au service de ce clan ethno aujourd'hui, qui se servent de ces gens comme cobayes. Aucun d'entre eux ne va dire qu'on ne les a pas donné 5 francs. Aucun d'entre eux. Nous autres, on peut gérer ici. Tous ceux, Mahmoud Silla, Moussa de Djobou, Serge Moussa, Marino, El-Sisi, Massa Bilali, hein? Nyole qui sont ici. Tous emmènent le combat par conviction. Mais des gens qui vont voir des gens pour dire, ah, ils vont voter que parce qu'ils sont des sous-sous, ils sont de la basse-côte. Nanam Fala Robert, Djibril, il va bouffer votre argent. Il va bien bouffer votre argent comme il a toujours été un escroc international. Il va dire, je vais mobiliser les jeunes de Matam. Hey, donc, c'est des gens qui ne sont même pas recensés. C'est des personnes qui ne sont pas recensées. C'est des personnes qui ne sont pas recensées. Donc, nous les blogueurs, là, nous autres, là, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Nous ne sommes pas de la même classe. Nous ne sommes pas des cobayes comme vous. Voilà. Nous ne sommes pas des cobayes comme vous. Nous ne sommes pas des cobayes comme vous. Donc, si tu veux ta dose encore, je t'attends. Si tu veux ta dose encore, Djibril, minimum. Il y a un dossier qui est un escroc. Escroc international. Il y a un liste qui est. Si tu veux que je parle de Anne-Marie, il m'a amené. C'est ma prochaine épisode Nanaki. Voilà. Partagez au maximum. Je veux que ce malhonnête-là essaie encore de sortir. Le dossier de Anne-Marie, il n'y a pas de problème. Je vais sortir encore. Je vais exposer ça. Voilà. Il y a un dossier bonira, mais moi je vais étape par étape. Il m'a amené. Tu viens, tu vas répondre aux gens. Tu vas dire aux gens qu'est-ce que tu as fait de l'argent que tu as collecté pour la mosquée Faisal. Migi Naga Mugaru Alayara. Migi Naga Mugaru Alayara. Yeah. Kadiatu de Fria. Temedi. Parce que musulman Nara. Kadiatu de Fria. Afa Kobri Tongo. Aso Didi Ira. Didi Amaso. Il n'a pas donné à la Ligue islamique. Amuna Kobri ce Ligue islamique Ira. Na kafri, ne na na UFDG défendu feto, ko na non difari. Et qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Ce kafri, il va s'asseoir pour dire, ah, non, moula mané, moura pouvoir se foule yirama. Eh, Djibril, inya mouyagima. Toi, tu as une conviction, toi. Tu permets de t'asseoir pour dire qu'on va donner le pouvoir à une ethnie. Un parti politique, ils ont un programme de société. Tu dis que tu es blogueur, tu sais parler. Pourquoi tu ne parles pas du programme de société de Seloudalé? Pourquoi tu ne parles pas du programme de société de l'UFDG? Pourquoi tu ne dis pas aux Guinéens qu'est-ce que l'UFDG peut donner? Mais comme tu es limité comme eux, on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Toi, tu es venu déshabiller l'UFDG. Ce que nous avions toujours critiqué, dire que c'est un parti communautaire, le combat qu'ils mènent, c'est pour une communauté. Tous ceux qui financent le parti, ils sont tous issus d'une communauté. Ifare, na yeliya, na nabareto. Et voilà. Mais il va pouvoir tongo et se fouler hier. Ta vidéo d'aujourd'hui, bien avant, il y a un minute. Il y a une vidéo qui va effacer. Il y a une vidéo effacée. Donc, ce que nous avions critiqué chaque jour ici, dire que l'UFDG c'est un parti communautaire, toi-même tu es sorti comme aujourd'hui tu es devenu, tu dis tu es blogueur, tu sais parler. Awa Ibara Fato, Ibara Dugi Baïma, tu les as mis dans l'eau. Vous pouvez dire quelque chose devant nous? On a ma voyant de falade moutambe. Autant escroquer,
J'ai dit, Fama Kanté, demain, toi, ton dossier là, j'ai ça, demain, je viens. Vos bêtises là, vous n'allez pas parler du président Alpha Condé, vous autres. Ça dit, vous êtes pourris. Dignité Yati Moutambé, c'est vous qui allez sortir pour attaquer, pour insulter le président ou manquer de respect aux gens du RPG, tandis que vous-même, vous êtes des pourritus. Vous n'avez pas de dignité. Vous êtes au service d'un clan aujourd'hui qui se servent de vous comme des cobayes. J'ai dit, vous êtes des vrais cobayes. Ils se servent de vous pour faire une coloration. Sinon, il y a un meeting. Vous-même, quand vous êtes dans les meetings, là, quand vous regardez, on nous a attaqué. Regardez bien les visages, vous allez comprendre. Vous allez bien comprendre. Regardez les visages, vous allez comprendre que c'est toujours ce clan d'ethno, cette communauté UFDG. Ce clan. Voilà. Djibril. Et la deuxième procès n'a naki. Troisième procès n'a pas fait. N'a Anne-Marie fait. N'a procès n'a que. Mais comme tu penses que tu dis tu es lion, moi je suis l'éléphant. Voilà. Comme tu dis tu es lion, moi je suis l'éléphant. Faut sortir encore, tu vas taper. Quand je vais taper cette fois-ci là, tu vas comprendre qui est Damaro. Voilà. Moi, j'observe quelqu'un. Il y a longtemps, moi je t'observe, je ne t'ai pas touché. Mais Era Woulé. Et Era Nawalito. Le fait que Yafala, pouvoir, Morasso, Fouleyira. Donc le pouvoir qui était dans la main de Dadis là. Donc Dadis Guinéen Amara. Ce n'est pas les mêmes ethnos de l'UFDG qu'ils étaient au 28 septembre. Hein? Otanara, parti politique. Parti politique. Otanara, blogueur Nanaura. C'est le nom Anagana, Onana Falama, O ethnie Febayama. Mais comme vous êtes limité là, comme vous êtes bête là, vous n'avez rien dans la tête. Hein? Et nous comprenons ce Yira, Wadon, Odoko. Mais ethnie Febayama, enlevez ça dans vos bouches. Enlevez ça dans vos bouches. Parlez seulement de quoi c'est le peut faire. Si vous devez critiquer le professeur Alpha Condé, vous le critiquez, c'est ça le débat. Mais un fanfaron comme toi, tu vas te flanquer chez Seloudale pour dire que aura pouvoir se fouler hier. Tout simplement, c'est ça leur programme. Et nana combat né, combat communautaire. Awa muta nana mufana e combattu fe nanama. Muna na combat né, nana ra mumutima. Voilà. Tant que muna mentalité ba erouni, fala fe mura tournara. Tant que muna ba erouni, mumutima. Meme lumana. Voilà. Tant que muna ba erouni, on va pas les laisser. On les a dit de changer seulement. Quand ils vont changer, ils vont parler de l'unité. Là, il n'y a pas de problème. Donc, c'était le général 5 étoiles. Et c'était pour répondre à ce fanfaron, à ce bon à rien. Voilà. À ce bon à rien. Oti, Omouti. Vous avez vu hier. Vous avez vu Zerekure. Alors, nous, c'est ça le RPG. Bavada Jaramara. Le RPG, c'est ça. Nous, on ne bavarde pas. Amadou Kondé, le boulanger et le berger, merci pour les images. J'apprécie ça. Le boulanger, c'est loup. Le berger, parce qu'avec ses troupes, c'est le berger. Le boulanger, quand il a mélangé FNDC, c'est là que je l'ai surnommé le boulanger. Il roule tout le monde dans la farine. C'est ça, lui. C'est ça, c'est Loudalé. L'égoïsme. Regardez aujourd'hui son interview d'aujourd'hui. Nous, on nous a fait ça. On nous a empêché. On peut empêcher personne. Le professeur Alpha Condé, il est temps. Comment faire la Saint-Bernard? Si vous êtes des hommes, là, le 18 sorti, vous n'avez pas dit que vous allez prendre les armes? Vous n'avez pas dit que vous allez prendre les armes? Vous pensez, quand je dis aux gens, calmez-vous ces gens-là, laissez-les bavarder. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre les armes. Wallah, ils vont changer de pays, ces gens-là. Vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Vous n'avez ni la majorité en train de parler. C'est-à-dire, quand ils mentent de la sorte que non, le président, il n'a même pas de militants. Zerekure, vous étiez à Zerekure. Ce que le professeur a fait à Zerekure, vous n'avez pas pu faire. Mais avec ça, il va se flanquer devant ses militants pour dire que hein, nous, on était à Zerekure, la population est sortie, on a été voir les chefs religieux, on nous a rassurés. Tu es parti à Zerekure, tu n'as pas vu le patriarche de la ville. Tu es allé voir un chef de quartier, un simple chef de quartier à Zerekure. Après, il dit que lui, il a vu le patriarche. Le patriarche lui a boudé. Le patriarche ne l'a pas reçu. Le patriarche ne l'a pas reçu. Mais tellement qu'ils aiment mentir, ces gens-là. Aujourd'hui, là, vous n'avez pas dit que le RPG n'est pas aimé en Haute-Guinée. Maintenant, on vous empêche. Ceux qui ne sont pas aimés, là, on vous empêche. Petit village Tokounou, on vous empêche de dormir. Vous vous dites que le RPG n'a pas de militants. Malgré qu'ils n'ont pas de militants. Mais vous, on vous empêche. Tu mens sur les préfets. Tu mens sur les... je ne sais quoi. Mais malgré cela, la région qui dit que vous dites qu'il n'y a pas de militants, là, eux, ils vous empêchent de dormir.
Il vous empêche de faire campagne. Vous, vous allez dire quoi du RPG? Quand vous dites que c'est la force tranquille, un coup KO en 2015, cette année encore, un coup KO. Si vous voulez là, appelez la communauté internationale. Si vous voulez là, appelez vos amis Sénégal, Gambie. Hey, les élections là, c'est à 70% pour le professeur Alpha Condé. Khao Ting, Omouti, professeur Alpha Condé, il va continuer encore. Moufatara. Voilà, Moufatara. On a fait la Moufatara. Venez encore. Ali, non, Ali Kaloga, toi tu as compris, 3 à 1. Ils sont là en train de tromper les gens. Que non, c'est Loudalin. Tant, les gens ont dit ça, les chefs religieux ont dit ça. Hey, c'est pas chef religieux qui vote pour tout le monde. C'est pas chef de quartier qui vote pour tout le monde. Chacun est libre de choisir son candidat. Voilà. Voilà. Chacun est libre de choisir son candidat. Chacun est libre de choisir son candidat. Voilà, Moufatara, on soutient le professeur Alpha Condé, Oti Omouti. You guys, vous pouvez insulter, nous on s'en fout de vos injures là. Vous pensez que moi je vais répondre à vos injures ici? Moi quand vous faites vos bêtises là, je sors, je réponds. Vos bêtises, c'est ce que je réponds. Oti Omouti, c'est le professeur Alpha Condé, c'est lui qui est là. Le professeur Alpha Condé, c'est lui. Le choix du peuple. Des malhonnêtes comme ça. Vous avez vu les dignes fils de la forêt. Vous avez vu les vrais fils de la forêt. Tous les ressortissants de la forêt, ceux qui sont là, hein? Ceux qui sont assis sur les réseaux sociaux, des fanfarons blogueurs, là, vous pensez que c'est eux qui vont mobiliser les gens pour vous, hein? C'est les députés de la forêt, j'ai dit bien, les députés de la forêt, ce sont eux qui ont mobilisé, les cadres de la forêt, ce sont eux, UFDG, 37 députés, aucun forestier, venez me défier, si ce n'est pas la vérité, venez me défier, aucun forestier parmi vos 37 députés. Venez me défier, vous les ethnos là. Un parti communautaire comme ça. Venez me défier, si c'est faux. 37 députés, s'il y avait un forestier dedans. Après, vous parlez que non, vous êtes avec la forêt. TJ Ahmed, like you say, you say I'm talking too much. Like I just said. 37 députés. Aucun forestier. Vous allez nous dire quoi? Venez défier cela. Vous les ethnos de l'UFDG, vous pensez que c'est une ethnie qui va choisir un candidat? Vous n'avez rien vu d'abord. Au soir du 18, vous allez voir encore, vous serez déçus. Flanquez-vous en New York là-bas, flanquez-vous en Allemagne. Prenez votre argent, donnez à l'UFDG. Rien ne va se passer, rien du tout. Tous ceux qui veulent mourir comme des moutons là, vont mourir comme des moutons. Tous ceux qui veulent mourir comme des moutons, ils vont mourir. Mais n'oubliez pas une chose, je vous rappelle toujours. Quand vous allez mourir là, à l'au-delà là, préparez-vous hein. J'ai dit bien, préparez-vous ce que vous allez dire au bon Dieu. Pourquoi vous êtes mort? Si vous êtes mort pour Seloudale, si vous êtes mort pour la démocratie, si c'est ce qui va vous donner le paradis, alors préparez-vous. Si c'est ce qui est dans le courant, bande d'inconscients, bande d'animistes que vous êtes. Sortez, vous allez mourir. Yeah? Le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne. On dit choisissez le meilleur d'entre vous. Ils n'ont pas dit d'imposer le meilleur d'entre vous. L'UFDG, comme ils ne sont pas habitués au vote, ils veulent tout le temps imposer. Cette loi a été imposée à l'UFDG. Car qui n'a pas vu la vidéo, mes premières vidéos, allez-y, regardez. Lorsque Feba Mamadou, les autres ont parlé de Baouri, les autres ont parlé de Baousman, mais il a préféré Seloudalin, il a imposé Seloudalin à l'UFDG. Le mal aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un politicien. Quand quelqu'un n'est pas un politicien, c'est ça le problème. Si Seloudalin avait choisi par conviction d'être un vrai politicien, il pouvait. Le vrai politicien, c'est Baouri. Le vrai politicien de l'UFDG, c'est Baouri. Voilà, le vrai politicien. C'est juste un administrateur, c'est tout. Il n'est pas un politicien. Mais comme vous avez forcé la situation, vous-même vous dites Gorko Sousa. Alors, depuis qu'il est devenu Gorko Sousa, il est devenu zéro. Il a commencé à parler de l'ethnie. Il est mort.